Théo, y a quoi sous le coussin? Rien. Et sous le torchon? Rien. Et derrière ta BD? Mais c'est pas juste! Théo, tu peux pas passer tes journées à jouer en ligne? Mais papa, c'est Strong Day, c'est trop bien! Mais c'est normal qu'on limite ton temps de jeu. Il faut que tu comprennes que c'est pour ton bien. C'est parce que t'as besoin de... Théo. Théo. Trouvez! Non mais déjà, hier soir, tu joues en cachette dans la cave. En plus, je déteste l'humidité. Pour ton équilibre, il faut que tu joues à des jeux en vrai, avec des vrais gens. Pas des orques baveux couverts de pustules. Mais non! On adore les orques baveux! Ça te dirait qu'on organise un escape game à la maison avec tes amis? Lesquels? Je sais pas, moi. C'est ton jeu, là. T'es sûr? Oui, mon grand. Salut, c'est ici l'escape game. C'est par là. Bonjour monsieur, j'espère que la maison est grande parce qu'on était 75 à être connectés. Les jeux en ligne n'ont pas de fin. Jouer plusieurs heures à des jeux vidéo violents peut provoquer de l'agressivité chez les joueurs. Ne perdez pas votre contrôle et restez ouvert au monde réel. Et surtout, veillez à la diversité des activités des enfants en définissant un temps limité pour le jeu vidéo, fois de tablette. Tiens, salut chérie, ça va toi? Laisse-moi deviner, on a une invasion de zombies à la maison. Pierre, des ados.